Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis ravie car je vais vous présenter une nouvelle fois un partenariat. Voilà, hop, le petit paquet. Donc j'ai été contactée pour un partenariat par le site Newcraft. Donc déjà pour commencer, je les remercie infiniment. Ils m'ont contactée par email pour me proposer de tester leur site. Et donc j'ai accepté. C'est un site qui potentiellement j'aurais pu commander en tant que simple cliente parce que c'est un site chinois qui propose tout ce qui est activité manuelle, notamment principalement surtout le diamond painting. Donc moi c'est une activité que je faisais beaucoup quand je ne travaillais pas. J'ai fait beaucoup de diamond painting à une époque. Là, la dernière toile que j'ai fait, ça remonte il y a plus d'un an parce que j'avais fait une toile personnalisée en cadeau de Noël pour mon parrain. Donc ça, ouais, ça remonte à Noël, pas 2021, 2000... Non, pas 2022, 2021. Donc ça remonte quand même. Et du coup, quand le site m'a contacté, je me suis dit oui, pourquoi pas me remettre un peu dans cette activité-là, puis en même temps découvrir et permettre de vous faire connaître ce site. Et en même temps, moi, ça me fait du contenu pour ma chaîne. Donc on est voilà, dans un sens et dans un autre, on se complète au niveau de ce partenariat-là. Donc il vous propose beaucoup de diamond painting, donc vous pouvez commander des toiles, donc soit des toiles avec des motifs, vous avez beaucoup de motifs, que ce soit tête de mort ou même des motifs Disney ou des motifs lambda, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous pouvez également faire des toiles personnalisées, donc tout simplement vous choisissez une photo, par exemple une photo de vous ou de vos enfants, et vous les vous demandez à ce qu'ils le reproduisent sur une toile de diamond painting, et puis après voilà, vous reproduisez la photo en diamond painting, donc ce que j'ai déjà fait moi. On vous propose également des petits porte-clés, des petits marque-pages, voilà, donc c'est des petits DIY à réaliser, des stickers également, vous avez aussi du matériel, vous avez énormément de choses autour de cette activité-là de diamond painting. Et on vous propose également un petit peu des points de croix, donc c'est tout simplement de la broderie, hein. C'est pareil, vous avez une toile et vous la reproduisez en broderie, donc c'est aussi, on va dire, plutôt pas mal. Donc moi j'ai choisi que le diamond painting parce que la broderie, j'ai déjà essayé mais c'est pas trop mon truc, je préfère le diamond painting. Donc j'ai choisi trois choses différentes pour un peu vous montrer ce qu'il y a sur le site. Donc je me suis un petit peu renseignée, voilà, pour vous donner quelques infos. Donc moi ils m'ont octroyé un montant, je vous le dis, ils m'ont octroyé un montant de 18$. Donc j'ai pu choisir 3 produits. Le site, il est en... Donc vous, quand vous allez sur le site, c'est en anglais, en dollars et tout. Mais vous pouvez mettre le site en français. Vous avez les prix en euros. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau des informations, j'ai un petit peu regardé. Donc ils mettent 1 à 2 jours à traiter la commande. Et pour le délai d'expédition, ça peut prendre de 10 à 20 jours. Moi, au niveau de la livraison, ça a été très très vite parce que du moment que j'ai reçu l'email pour me dire que le colis était envoyé, je l'ai peut-être reçu au bout de quoi, une semaine, voire même mois. Donc ça a été quand même assez vite. C'est vrai qu'en général, les sites chinois comme ça, soit ça peut être très long, soit ça peut être très très rapide. Là, ça a été plutôt rapide, j'ai pas à me plaindre. Donc j'ai également regardé, les frais de port sont calculés en fonction du prix de votre commande. Donc ça, c'est je trouve c'est plutôt bien, sûrement en fonction déjà du montant et du poids du colis. Et voilà, c'est tout ce qui est indiqué. Après, vous avez aussi une procédure de remboursement et de retour, hein, comme beaucoup de sites internet. Donc après, il faut juste faire la démarche de les contacter et tout, et voilà. Donc après, soit vous faites un retour, ils vous remboursent, ou tout simplement un article cassé, ce genre de choses lors du transport, c'est pareil, vous les contactez et il y a une procédure de remboursement qui se met en place. Donc voilà au niveau des informations que j'ai pu regarder sur le site. Donc je vais vous présenter les 3 produits que j'ai choisis et après je vous parlerai tout ça des codes promo. Donc c'est arrivé dans un petit voilà, dans un petit plastique comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, de toute façon c'est de l'activité manuelle, donc rien n'a été cassé, rien n'a été perdu, le plastique n'a pas été craqué ni quoi que ce soit. Donc parfait au niveau de la livraison, parfait au niveau de l'emballage et tout, j'ai rien à dire. Donc on va commencer tout de suite, j'ai choisi, donc c'est pareil, je vais vous mettre les photos du produit et le prix,
comme ça vous aurez un aperçu. Donc pour commencer, j'ai pris pour ma fille et voilà, autant en profiter, c'était l'occasion, j'ai pris une toile. Voilà, une petite toile de diamond painting. Donc le diamond painting, c'est principalement basé sur des toiles comme ça à reproduire. Donc voilà, ça emballait individuellement. Vous avez les petits codes et tout, comme voilà. C'est si chinois quoi, les emballages restent pareils et tout. Donc j'ai pris un petit diamond painting pour ma fille. Donc comme ça, je lui mettrai dans un cadre dans sa chambre. Donc la toile se présente comme ça. Donc c'est un tout petit. C'est un format 30 sur 40. Donc c'est vraiment les toutes petites tailles. Donc avec mini dessus, je trouvais que c'était dans les couleurs de sa chambre. Et franchement, le motif est très beau. Vraiment de loin, je trouve que l'image rend bien. Parce qu'après des moments, il faut faire attention aussi en fonction de la taille de la toile. L'image ne va pas bien rendre. Mais là, franchement, c'est top. Donc voilà, comme je vous ai déjà expliqué, vous avez des numéros et chaque numéro représente une couleur. Donc après, il suffit juste de mettre les perles. Donc il n'y a rien de compliqué. Là, vous avez quand même 21 couleurs différentes sur cette toile-là. Donc je vous montrerai au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'aurai fait les diamond painting, je vous les montrerai. Donc maintenant, je me suis mise sur les shorts. Donc de toute façon, si vous êtes abonné sur ma chaîne, vous aurez la notification que j'ai fait un short et je vous montrerai au fur et à mesure et le résultat final. Donc j'ai pris ça, à chaque fois du coup vous recevez votre toile, vous avez un petit kit comme ça, donc vous avez la petite coupelle pour mettre les perles, le petit stylet pour prendre les perles et la colle, voilà, le stylet pour mettre les perles et ça pour prendre les perles. Donc toujours le petit kit de base. Et ensuite, vous avez toutes les couleurs. Voilà, vous avez toutes les couleurs de perles pour reproduire votre toile. Donc en général, il n'en manque jamais. Moi, c'est très rare quand j'ai eu des soucis. Après, moi, je garde toujours les perles qui me restent parce que ça peut me resservir pour d'autres toiles. Ou même, je suis sur des groupes diamond painting et j'ai déjà eu des personnes qui recherchaient une référence et que je leur ai envoyé, ça peut toujours servir, on peut se dépanner. Même moi, j'ai déjà eu besoin d'une couleur qu'on m'a envoyée. Donc, je les garde toujours. Donc, voilà, vous avez de toute façon les petits numéros et tout, les petites couleurs. Donc, après, moi, j'ai des petits bacs en plastique, un peu comme des piluliers, et je mets chaque couleur avec un sticker, c'est avec le numéro de la couleur. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Mais comme je vous dis, je vous ferai des petits shorts pour vous montrer un peu comment je procède. Ça sera mieux que de faire une vidéo dédiée sur le diamond painting. Je pense pas que ça intéressera beaucoup de monde. Donc je ferai plutôt des shorts comme ça, c'est plus rapide. Et ça sera tout aussi bien. Donc le premier article que j'ai pris, j'ai pris un petit kit de DIY. Étant donné que j'aime beaucoup la lecture, j'ai pris des petits marque-pages. Comme ça, voilà. Donc c'est pareil, emballé individuellement, vous avez tout le matériel. Donc c'est un lot de deux marque-pages. Donc vous avez, voilà, les deux petits marque-pages comme ça. Donc ils sont vraiment super jolis, un peu style mandala. Donc vraiment joli. Et l'arrière c'est comme ça. Donc c'est, alors je ne saurais pas trop vous dire c'est quoi la texture. Mais c'est quelque chose d'assez mou et tout. Donc parfait pour caler dans le livre. Vous avez le devant, le derrière comme ça. Et du coup, il y en a deux. Donc super sympa. C'est vrai que moi, j'ai une petite pochette avec tous mes marque-pages. Donc j'aime bien changer de marque-page quand je finis un livre. Et on a aussi les petites pampilles comme ça. Pour laisser en dehors du livre. Comme ça, ça repère bien où vous en êtes arrivé dans votre lecture. Donc vraiment super, voilà, super joli, j'aime vraiment beaucoup, franchement c'est pas cher et je trouve que le kit est quand même bien complet. Donc c'est top et on a du coup pareil toutes les perles. Donc là par contre vous avez des petites perles comme des grosses perles, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, sur le motif. Donc c'est top, des petites et des grosses. Toujours le petit kit de base. Et pour finir, vous savez que j'ai un bulldog français. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais les prendre. Donc pareil, c'est un petit kit de DIY, mais c'est des porte-clés.
Et franchement, j'ai trouvé ça trop mignon, des porte-clés bulldog. Hein. Donc franchement, je vais en claquer partout. Je les ai trouvés trop mignons. Donc, hop, vous avez tous les porte-clés. Donc, il y en a quand même 7 à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Pareil, à tout petit prix. Donc, franchement, on ne se ruine pas. Présente comme ça. Donc, par contre, là, c'est recto-verso. Ils sont quand même en plastique. Donc, vraiment, la qualité est là. Donc, voilà. Donc, on a celui-là. Trop mignon. On a celui-là. Là, c'est plus un carlin. On a ensuite celui-là avec ses lunettes, il est trop mignon. On a celui-là, c'est pareil, c'est un carlin. Et le dernier, je trouve qu'il est trop ressemblant à mon chien, celui-là. Donc vraiment trop trop mignon. Donc on en a 2, 4 et 5. Donc voilà, on en a 5. Franchement, c'est convenable. Comme je vous dis, ils sont vraiment qualitatifs. En plus, c'est recto verso et tout, donc trop mignon. Et vous avez du coup les petites chaînettes avec les petits porte-clés. Donc franchement, on a tout le matériel. Donc c'est parfait. Et vous avez du coup, comme toujours, le matériel de base. Donc là, je vois qu'il y a une petite coupelle qui a été cassée lors du transport. Mais bon, c'est pas très grave. Là, j'ai de quoi faire avec les coupelles. Puis j'en ai encore aussi de mes précédents Diamond Painting. Donc, c'est pas grave. Et on a pareil les petites perles. Voilà. Donc, voilà au niveau de mes choix. Donc, j'ai vraiment fait des choix que voilà, je sais que je vais utiliser et tout. Donc, c'est pour ça que ce partenariat me plaisait beaucoup. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que le site vous offre. Déjà en barre d'infos, je vais vous mettre, c'est le lien du site pour aller directement dessus. Le lien, moi, des articles que j'ai choisi, si par hasard vous aimez bien le diamond painting ou si vous avez envie de tester et qu'il y a un des produits qui vous plaît, bah, comme ça vous avez le lien direct pour le commander. Et du coup, le site vous propose un code de 10% avec le code LUNA10. Donc, je vous l'inscris juste là sur la vidéo, je vous le remettrai en barre d'infos. Donc le code LUNA10, c'est comme ça, vous avez moins 10% sur votre panier. Donc le code est illimité, il n'y a pas de minimum d'achat. Voilà, ils m'ont juste donné le code comme ça, sans condition. Donc 10%, c'est quand même, c'est quand même pas mal du tout. En plus, sachant que les prix sont vraiment raisonnables. Donc c'est parfait. Et ils m'ont également rajouté qu'au bout de 50 dollars d'achat, donc après il faudra le mettre en euros, mais au bout de 50 dollars sur le site que vous avez dépensé, vous avez le droit de choisir 2 cadeaux. Donc je ne sais pas c'est quoi les cadeaux, ça il faudra voir au moment de la commande, mais en tout cas vous avez 2 cadeaux gratuits et ils vous rajoutent 7% de réduction en plus sur votre panier. Donc là franchement c'est le top, 50 dollars, donc vous avez le droit à 2 cadeaux et 7% de réduction en plus, donc vraiment parfait. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de passer commande ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui aiment beaucoup le diamond painting, vous pouvez leur partager le site et le code promo. Ça, c'est toujours avantageux. Donc voilà pour ma petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie le site Newcraft de m'avoir contacté pour tester ce site. Et comme je vous dis, de toute façon, je vous ferai des shorts au fur et à mesure pour un peu vous montrer mes créations quand elles seront finies, en cours, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc, sur la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Et également à commenter, à me dire si vous aimez le diamond painting, si vous ne connaissez pas ou si vous allez tester le site et passer commande. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On met les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je remercie une nouvelle fois le site Newcraft. J'espère que par la suite, on pourra refaire un partenariat ensemble parce que je suis ravie des produits, de l'envoi et tout, de la réception du colis. Il n'y a eu aucun souci. Le site, il est vraiment convenable, il est fiable. Voilà, comme vous voyez, j'ai reçu les produits que j'ai commandés en d'excellente qualité. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut !